On a tous dans nos poches un smartphone plus ou moins doué en photos et vidéos, mais il n'y a rien de plus rageant, après avoir pris de belles vidéos pendant ses vacances ou pendant une sortie, de constater, au moment de les regarder, que tout tremble sévèrement, rendant quasi inexploitable ce que vous aviez pourtant tant voulu immortaliser. Pareil pour les photos, on connaît tous ce syndrome de la photo complètement fou dès la tombée de la nuit. Eh bien, pour pallier ce problème, il y a une solution. Les stabilisateurs trois axes. Même si pas mal de smartphones qui sortent en ce moment sont équipés d'une stabilisation du capteur, déjà il faut dire que c'est pas tout un le le cas et qu'en plus des fois ce n'est pas suffisant pour pallier à certains tremblements. Certaines personnes dont je fais partie tremblent naturellement plus et mettent à rude épreuve les stabilisateurs intégrés au smartphone et sont bien contents de pouvoir trouver une vraie solution au problème et obtenir des plans vidéo plus stables et des photos bien nettes. Pour rester dans le petit budget dans le monde de la stabilisation, on doit s'affranchir de tout élément actif. Donc excite les stabilisateurs électroniques, on se retrouve avec de la mécanique et du contrepoids. Et c'est le Horsda Pro à 26 euros Steadicam qui fera notre affaire pour ouvrir la sélection du jour avec, comme je le disais, son principe de contrepoids qui nécessitera lors de la prise en main un équilibrage manuel de la caméra à utiliser. Et c'est justement l'un des avantages de ce stabilisateur, c'est que vous n'êtes pas limité seulement au smartphone, mais aussi au caméscope, à toutes les caméras sport possibles, ainsi même que des appareils photo numériques allant jusqu'à 950 grammes. Ce qui commence déjà à être pas mal du tout. En gros, tout ce qui a un pas de vis photo et qui fait moins de 950 grammes peut être stabilisé par cet accessoire. Bon, le point négatif est que l'équilibrage est à faire à chaque fois que vous montez votre caméra dessus, que ça prend du temps, que ça demande une certaine pratique, et dans le cas de l'utilisation d'un appareil photo numérique, ça empêche l'utilisation d'un zoom mobile. Les optiques ne sortant pas lors d'un zoom conviennent parfaitement. Le principe de rotule au-dessus de la prise en main et le contrepoids en dessous demande un savoir-faire particulier qui s'acquiert assez rapidement. L'une des particularités de ce type de stabilisation mécanique est un phénomène de roulis que l'on peut ressentir si le réglage de l'équilibrage n'est pas assez précis ou la manière de l'utiliser pas assez expérimentée. Mais si vous utilisez un smartphone ou une GoPro plutôt qu'un appareil photo numérique, cela se verra beaucoup moins. Et justement, le stabilisateur est fourni avec une pince permettant d'y insérer tout type de smartphone ainsi qu'un support de fixation pour les boîtiers de GoPro. Le tout étant sur un pas de vis, Types d'accessoires peuvent y être ajoutés. Bref, pour le prix de 26 euros, on est vraiment dans l'entrée de gamme de la stabilisation, mais étonnamment, on a quand même un système efficace si on investit un peu de temps d'apprentissage, et de plus, ça reste un ensemble beaucoup plus léger qu'un Glycam traditionnel qui peut dépasser le kilogramme à lui tout seul. Pour 130 euros environ, on rentre dans le vif du sujet avec un stabilisateur électronique actif, très réputé de la marque non moins réputée DJI. Qui nous propose l'Osmo Mobile 2 à 130 euros. Là, par contre, vous serez limité à la stabilisation d'un smartphone, mais son principe est tellement simple que ça en devient génial. Une fois passée la séquence d'équilibrage, qui est beaucoup plus facile et rapide que le modèle présenté juste avant, et vu qu'il faut moins d'une minute, vous aurez une stabilisation parfaite. Pas de roulis, pas de tangage, les moteurs de l'Osmo sont ultra sensibles et rendent la stabilisation sur trois axes redoutablement efficace. De plus, du fait de son électronique, un tas de fonctions fait son apparition et ça le rend, en plus d'un simple stabilisateur, un véritable outil de travail pour vos vidéos. Son autonomie de 15 heures le rend increvable et trépassera largement le temps de vidéo active de votre smartphone entre deux recharges. Il est malheureusement livré sans boîte ni housse de transport et risque de prendre quelques rayures très rapidement. Mais l'ensemble étant très costaud, il ne risquera pas grand-chose si vous l'emportez dans un sac. Deux modes de stabilisation sont possibles, ce que vous ne pourrez pas faire avec un stabilisateur mécanique. Un mode de suivi qui, comme son nom l'indique, suivra vos mouvements, mais en les adoucissant au maximum, et un mode verrouillé qui conservera le même angle et le même point de vue, quels que soient les mouvements que vous ferez. Un joystick permet aussi de changer l'angle de vue, chose qui n'est pas non plus possible avec un stabilisateur mécanique qui reste tristement à l'horizontale. Son poids respectable de 485 grammes, reste tolérable même après de longues minutes d'utilisation et supportera des smartphones jusqu'à une largeur de 85 mm. Petite curiosité cependant, il permet de recharger grâce à sa batterie généreuse le smartphone pendant que vous, vous stabilisez et filmez, mais le smartphone étant installé en butée de stabilisateur en raison de son équilibrage, ne permet pas une alimentation sans accessoire de ce type-là qui ne vous coûtera que quelques euros et vous t'épannera. Le stabilisateur peut tout aussi bien se piloter avec son application dédiée et qui donnera accès à des fonctions encore non possibles avec un stabilisateur mécanique, comme le suivi de points d'intérêt par exemple. Bref, si ce stabilisateur vous intéresse, j'ai déjà réalisé un test beaucoup plus complet sur la chaîne. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour la sélection gros budget, j'aurais pu rester avec un stabilisateur plus haut de gamme de chez DJI, mais par souci de variété, je me suis penché vers le Zhiyun Crane 2 à 570 euros. Zayun, qui est une marque concurrente directe à DJI, est très réputée elle aussi pour proposer des stabilisateurs extrêmement efficaces à des prix vraiment très compétitifs. Avec le Crane 2, on est vraiment dans la cour des grands car on ne se destine plus qu'aux smartphones mais aussi à de l'appareil photo numérique. D'ailleurs il est même plus conçu en ce sens, car en plus de son propre poids de 1,3 kg, il supportera jusqu'à 3 kg d'appareil photo. Poids que je vous vois pas atteindre avec un smartphone, mais qui n'est pas si étonnant que ça avec un appareil photo numérique monté d'un objectif de bonne qualité. On retrouve bien sûr toutes les fonctions que possédait le stabilisateur de chez DJI, en lui ajoutant les fonctions adaptées aux appareils photo numériques comme le follow focus. Sur un DSLR, qui est le nom raccourci que l'on donne aux appareils photo numériques, la captation vidéo se fait souvent en focus manuel, c'est-à-dire que contrairement au smartphone qui gère la mise au point automatiquement, elle est gérée manuellement pour des raisons artistiques, quand c'est pas tout simplement par contrainte technique. Mais vous vous doutez que porter un stabilisateur à une main et régler sa mise au point de l'autre peut ne pas être très bon pour la stabilisation. Et là, c'est le follow focus qui fait le travail via une molette de réglage en agissant à votre place grâce à une roue dentée collée à votre objectif. Le Crane 2 a aussi l'avantage d'avoir un petit écran OLED qui vous affichera le niveau de batterie restant ainsi que le mode de stabilisation sélectionné. Un joystick est aussi présent pour orienter l'angle de votre appareil ainsi qu'une roue codeuse qui permet grâce à la connexion Wi-Fi de l'appareil, de se connecter directement à votre DSLR pour agir sur les paramètres d'ouverture de l'objectif. Son autonomie de 18 heures vous promettra plusieurs jours de sortie sans avoir besoin de le recharger. Autre avantage, c'est une platine Quick Release qui vous permet de monter ou démonter votre appareil. Du stabilisateur très rapidement et qui vous affranchira de l'équilibrer à nouveau. Comme c'est un stabilisateur actif, il n'est pas impossible d'utiliser des objectifs changeant de taille lorsque vous réglez les zoom puisque les moteurs compenseront le défaut d'équilibrage. Mais sachez tout de même que cela agira sur son autonomie et à long terme sur la vie des moteurs. Bref, on a un outil de stabilisation parfait pour moins de 600 euros, qui est certes surdimensionné par rapport aux besoins de stabilisation d'un smartphone, mais dans le cas d'un appareil photo numérique, c'est un must. Cependant, si vous comptez l'utiliser de longues heures, comptez sur quelques séances de musculation pour accuser le coup. Un kilo à bout de bras, ça va vite piquer, croyez-moi. Voilà pour la sélection du jour. Encore une fois, on a de tout pour tous les prix et pour tous les besoins. A savoir qu'il y a plein de marques chinoises qui proposent des produits tout à fait qualitatifs pour des prix similaires. Alors, au lieu de vous noyer dans toutes ces références, j'ai préféré vous parler de marques de stabilisateurs électroniques les plus utilisées dans nos contrées. Pour les stabilisateurs à rotule ou cardan, une multitude de marques proposent des copies parfaites à des prix allant de 26 euros, c'est-à-dire celui que je vous ai présenté tout à l'heure, à près de 80 euros pour strictement la même chose. J'ai pas trop compris pourquoi, mais bon. Voilà, si vous avez trouvé votre bonheur dans ma sélection, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à poser le petit pouce bleu qui va bien, à vous abonner, tout ça, tout ça. Allez, moi je file, j'ai encore pas mal de boulot, mais en attendant demain 18h pour le prochain épisode, je vous dis à plus, bye bye.